Sky, it's a bird. It's a plane. No, it's supermanhomepage.com, the number one Superman fan site in the world. Supermanhomepage.com, covering the world of Superman from the 1930s to today. News, reviews, rumors, and reports. Supermanhomepage.com for all your Superman comics, TV shows, movies, cartoons, radio shows, and more. Everything you ever wanted to know about the Man of Steel. And more. SupermanHomepage.com Superman Homepage for all the support over the years. I really appreciate it. I'm Matt Ballmer from the voice of Superman and Superman Unbound, and this is a Superman Homepage. Right here on Superman Homepage. Hey 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 hey! Hey! Salut Youtube, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle première séance. Je regarde des films totalement cultes que je n'ai absolument pas vus. Alors c'est parti! <music> Ah Oh Ouh Oh euh. putain Ah, je déteste ça. Ah, j'ai la chair de poule. Putain, il y a tout qui coule le nez, les yeux, le cul là. À l'époque, il y avait des sacrés foufounes hein. J'ai l'impression que c'est pas un grand budget. Ah putain, c'est bien fait, hein. Ah, c'est mal fait. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Mon dieu, c'est pourri. C'est bien foutu. Bla 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 bla. Voilà, très bon film. <laughs> bon ça y est, c'est fini. Voilà, merci. Au revoir, c'est fini. Abonnez-vous à cette chaîne. Je suis le lieutenant Morpheus, au cas où vous l'ignoreriez. Vous avez été choisi parce que vous êtes une bande de minables. Vous êtes la section F. F comme fumier. Quand je dis et hey, les fumiers, vous savez que je parle de vous. Je suis le référent de ce putain de pâtelin de minables et je peux vous le garantir, vous allez me détester jusqu'à la fin de vos jours. Vous pensez savoir, mais vous ne savez rien. Vous racontez que de la merde. C'est pour ça qu'on va parler de Superman. Allez, messieurs, dégagez. Faut pas rester là. Retrouvez l'actualité du film de James Gunn, Superman Legacy. Sur la chaîne YouTube Geekology Comics. Captain Morpheus et son équipe de planète superman.fr suivent en fil rouge les coulisses, les rumeurs, le casting et le tournage du prochain film sur l'homme d'acier. Alors abonnez-vous pour ne rien rater des annonces de Superman Legacy. Captain Morpheus! Séville sur la chaîne Kikologie Comics. Rédacteur en chef du site planetsuperman.fr, Spécialiste d'ici, auteur de comics. On l'appelle le Milf Hunter de Candor. Alors, planquez vos mamans, il arrive, Captain Morpheus. Captain Morpheus. Et hey, salut les petits abricots d'Alabama, comment ça va J'espère que vous allez bien. On est là ce soir pour un spécial Legacy dans ce lundi de Pâques. Alors désolé, hein, désolé du retard, mais le lundi euh, c'est foot normalement. Hein, L'émission Effi Sport avec les poteaux Effi Sport, on était euh, euh, voilà euh, en train de discuter euh, du projet Mbappé, hein, comment les, les parents poussent les, les, leurs enfants dans, dans leur dernier retranchement. Je vous invite pour ceux qui euh, aiment le foot déjà de vous abonner à la chaîne EFISPORT, Sport, hein, Efi Sport TV. Vous vous abonnez, il reste quelques abonnés pour atteindre les 700 abonnés, ce qui est déjà très bien. On applaudit, on applaudit dessus. <applause> voilà. Donc, dans cette émission, vous le savez, en tant que rédacteur en chef du site planetsuperman.fr, hein, je me dois de vous tenir au courant bah, de ce qui se passe dans l'actualité de l'homme d'acier, hein, de Superman, mais aussi euh, de vous parler bah, du TGS à venir. Hein. Euh, le TGS arrive à grands pas, bande d'onculux C'est dimanche, hein, grosse convention à Montpellier. Donc euh, dimanche, on... enfin samedi et dimanche, pardon, hein, pas juste dimanche. Je vous raconte des bêtises. Samedi, donc on sera à Montpellier. Je vais vous dire, je vais vous donner les, les, les indications pour ceux qui veulent nous rejoindre. Venez nous faire un petit coucou au stand. C'est la dernière fois, les gens, qu'on sera au stand et que le comics ne sera pas sur le stand. Hein, juste ça, euh, c'est génial. Franchement, je kiffe. Euh, alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé Tout s'est déconnecté ici. et en encore une qui a touché mes affaires. Hein j'en ai marre, j'en ai marre. Ma... Euh, voilà, message suivi. Tac, tac, tac. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'était pas prévu que je, je, je doive tout reconnecter pour accéder à mes emails. Okay, hop suivant donc voilà hop je vais oh, c'est bien relou désolé les gens je comprends pas quelqu'un s'est connecté à ma session et du coup tout est déconnecté je vais tout mettre sous sous vide hop voilà continuez vos appareils c'est Bon, accéder à Gmail. ça marche. Je sais pas pourquoi j'ai été déconnecté. Donc, TGS, TGS Montpellier, euh... tac, tac. Donc, euh, oh ben écoutez, je n'ai pas là sous les yeux. Il va falloir que j'ouvre le plan de la logistique. Je vous dirai ça tout à l'heure. À moins que euh, June soit dans le coin et que June connaisse euh, le plan, le plan, le plan, le plan du TGS, Sinon, on regardera ça plus tard. Alors, Mathieu Bâton, un bon petit legacy pour finir le week-end. Bravo à toi, merci d'être là. Bravo. Alexis de Prato est dans la place. Noodle c'est là. Chef Gusto, ma... ah, Mathieu, si il était dans l'émission de foot tout à l'heure. C'est 13 qui bombe le torse. Bonsoir. Raisin. Hey, eh, ça vous fait, Timan. Comment ça va? Comment ça vous fait? Nouvelle, où? Noodles. Noodles Clark. J'ai pris mes places pour Men of Steel et BVS au Grand Rex le 18 avril. Ah ouais? Qui organise ça, euh, pour Ah, Bon, chef Gusto, là Mr. Holt est dans la place. Correjo est là aussi. Correjo, mettez les pouces, soutenez la chaîne. Merci, correggio de ton implication. Noé, bonsoir, Noé. Noé, je ne t'oublie pas. Pour tous ceux qui ont gagné un T-shirt Superman, je ne vous oublie pas. Ils sont là. Ils sont là. J'en ai... Ai... ai beaucoup. Hein. Enfin, j'en ai quelques-uns. Ils, ont... ils sont tous partis. Euh, J'attendais d'avoir toutes les adresses pour faire un envoi groupé. Donc, ils arrivent bientôt, les gens. Ils arrivent très bientôt. Hein. Sinon, si vous n'êtes pas content, vous allez vous faire enculer, ça va plus vite. <laughs> ah, déjà, c'est gratuit, fermez vos gueules. On y va. <laughs> Wukong, comment ça va, Wukong? Bien. Oh, il est là, le Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, salut la visite. Hello, Miko. Il est où, Miko? Non, oh, tu t'es trompé, tu m'as appelé Miko, pour de vrai. Ou Miko est là, je ne l'ai pas vu. Hein c'est chelou. Euh, bonne nuit à tous. Je regarderai en replay, mais va dormir. Te fera les pieds. Euh, tac, tac, tac. Euh, Noé. Intro toujours aussi incroyable, la voix de Paquette. Ah oui, oui, c'est une belle intro. Bonsoir, Captain. Hop, hop, hop. Salut, Cap. Salut, Beto. What's up, Aleikoum? Euh, ça vous fait, alikoum. non euh, Comment tu vas bien? Euh, bonne fête de Pâques, mon frérot. Merci à toi. J'ai mangé des chocolats. Hein, C'était vraiment. Euh... Eh oui, c'est Pâques. Pas... Euh... Bon, pour ceux qui suivent mes travaux, vous savez très bien que. Euh... Moi, je demandais toujours au curé c'est quoi le rapport entre le lapin, les œufs, les cloches et la résurrection du Christ Bon, le curé, tout d'un coup, il me disait Cyril, les voix du Seigneur sont impénétrables. Ouais, mais j'ai dit les voix de mon petit copain, elles n'étaient pas hein. Je t'ai vu, monsieur le curé. Calme-toi, enculé que tu es. <laughs> non, bon, père Henri, puis à son âme, hein, c'était un saint parmi les saints. Et euh, non, non, honnêtement, honnêtement. Et euh, voilà, mais vous le savez, si vous avez vu euh, Rebel Moon, hein, si vous avez vu Rebel Moon, vous savez ce qu'on a vraiment fêté. On n'a pas fêté la, pa la résurrection du Christ pour de vrai. On a fêté les fêtes d'Ostara, et Viking. Ostara, donc la, la, la déesse du printemps avec ses lapins. Euh, tu comprends ou pas? Petit abricot, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Salut Rudy, ça vous fait mal. Non, toi c'est euh, Mbotenayo et Je parle toutes les langues en fait. Je suis polyglotte. Je Ça va, mon Rudy, tu vois bien? J'attends ta question avec impatience, Rudy. Euh, est-ce que tu préfères euh, la chatte à ta mère ou est-ce que tu préfères euh, le cul de la crémière J'adore tes questions. J'attends que… Voilà. Euh, donc, voilà. Bonsoir, Captain Morpheus. Dites donc, tu apprécies vraiment ce nouveau logo Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe entre ce nouveau logo et moi. Ah, il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose… Ah, ça schlingue. Même si mon préféré reste celui-là. Hein D'ailleurs, celui-là, c'est quelle année, bande d'enculés hein On va voir si vous avez bien retenu euh, les leçons ou pas. Vous avez retenu les leçons ou pas, les enculux, là hein Sérif vers le haut, c'est quelle année eh, On va voir. Si... Parce qu'aujourd'hui, eh, vous allez bûcher. Hein ah, aujourd'hui, on a... j'ai un sujet pour vous, les mecs. Non, parce qu'il y en a beaucoup. <laughs> Super, ferme-la. Tu ne sais pas. Si je suis là, c'est parce que tu ne sais pas. Tais-toi. 1993. Ah, bravo, 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 bravo. <applause> allez. Bah, Sahel, tu fais quelle taille Tu fais quelle taille, Sahel tu fais quelle taille arrive tout droit 1980, tu fais quelle taille Dépêche-toi. Si ça correspond à la taille qui est là, tu as gagné le t-shirt. Parce que c'est tout ce qui me reste. C'est le dernier qui me reste. J'espère pour toi que tu fais du M. Sinon, bon, ben, voilà, hein, frérot. Si tu ne fais pas du M, ça, elle, je ne peux rien pour toi. Pas... Non, c'est même pas du M. C'est du S. Corps d'enfant. Donc si tu es un homme soja avec un corps de lâche, tu peux mettre ce t-shirt. Euh, sinon, si tu as un gamin, je peux te l'envoyer pour ton gamin. Hein. <laughs> tu fais combien euh, Sahel Tu fais combien Si tu as un petit à qui l'ouvrir Non, parce que là, on est vraiment dans les corps de lâche. Hein. Du S, c'est. Ou sinon, tu as, tu sais quoi, Sahel J'attends la prochaine. Euh, ils doivent m'en envoyer d'autres. Euh, si j'en reçois d'autres, euh, je t'enverrai. Dis-moi ta taille et je t'en mets un de côté. Voilà. C'est bien, vous, retenez, vous retiendez, c'est bien. Je suis fier de vous. Hein vous, êtes des, vous êtes des spécialistes. Vous êtes des spé spécialistes. S, moi, je prends. Mathieu, tu as un corps de lâche comme ça Avec un nom comme ça, bâton. <laughs> mais frérot Oh, il faut aller à la muscu, les gars Putain Avec tout ce que je vous ai filé en conseil nutrition, c'est les couilles un peu, putain Du S, frérot Bon, Miko, il fait du S, mais il est sec. Nico, c'est une espèce de, de petit Bruce d'accord Mais vous, les mecs, enfin... Alors attendez, 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 attendez. Euh, je vais envoyer le lien de l'émission. On est en direct, tout à fait, tout à fait. Euh, partagez, copiez le lien. Mr Sandman, make me a dream Mr Sandman, euh make me a dream pum, Ouais 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 Ah mais tu as les tablettes apparentes moi non j'ai un abdal <laughs> J'ai les cuisses de Carlewis. Lewis ah, j'ai les épaules de Usain Bolt, d'accord Mais j'ai le ventre d'Homer Simpson. <laughs> je sais, je suis un enculé. Je n'arrive pas à perdre ce putain de bite de papa. Euh, voilà, hop. Tac. Euh... Et coucou Bérangère Comment elle va Comment ça va Bon, alors, du M Sigma, je f... tu fais du MMA Non, je ne fais pas du MMA, frérot. Tu le sais très bien. Euh, tu as vu avec Didi, Geekos, 50 Cents, Régal, ouais, ouais, ouais c'est chaud. Mais vous savez, moi, je tiens à vous le dire. Euh, moi, j'ai été dans l'industrie du disque longtemps. Euh, vous, vous, vous ne pouvez pas atteindre euh, ce niveau-là sans être récupéré par des confréries, des, des, euh, comment dirais-je Au début, je pense que vous, vous pouvez accéder au succès sans l'aide de ces, euh, voilà. Mais quand tu commences à arriver dans les grosses majors, les grosses maisons de disques. Si, si tu veux rester au haut niveau en, en termes de musique, bah tu es obligé de partir dans des bails sombres. Tu n'as pas le choix. Hein. Ça fait partie du show business, sauf que maintenant ça sort. et euh... Mais ça va, ça va très bien. Et toi hein Ça va très bien, hein. Madame la Marquise. Pidi pipidi, ouais, c'est dégueulasse. Rudy, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu me dis, que Je te dis que MJ égale Superman et Prince égale Batman. Eh ouais, 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 je suis plutôt d'accord. Je valide, c'est validé par le Captain Morpheus. Planquez vos mamans, comme il dit l'autre. Hein. Cap, c'est peut-être un impo... peu… Non, non, non. Quand tu as le FBI qui débarque chez toi comme ça, soit c'est parce que tu es contre le système, et du coup, ouais ils font ce qu'on appelle un « setup », euh, que tu ne pourras jamais prouver. Euh, voilà. Euh, mais sinon, euh, voilà. La voilà. Donc, le stand, le stand c'est pour ceux qui nous, veulent nous venir nous voir à Montpellier, donc au TGS de Montpellier, où l'on sera donc samedi et dimanche. OK. C'est le stand numéro 180. Voili, voilou. Alors, si j'y suis... <laughs> Peut-être que je n'y serai pas. C'est la surprise, vous verrez. Si je ne suis pas, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Euh, si je suis, ce n'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Curtis arrest le boss de New York. Vrai bonhomme depuis le début, bien avant d'avoir pris des bastos, tout à fait. Euh, les images publiées par Gunn sont ouf. Un hein. Superman qui évolue dans ce décor naturel sans VFX. Euh, le rapport d'échelle bien rendu, ça serait dingue, Gennedy, loin du rendu studio. Oui, mais il va être obligé de faire... Là, il là en fait, ils sont en train de ils sont en train de vous faire une Batman euh, comment dire Ils sont en train de vous faire une Batman euh, euh, enquêteur. Hein, quand ils vous ont fait là, ils sont en train de vous matraquer comme quoi il n'y aura pas beaucoup de VFX. Allez, voyons si vous êtes intelligent. Pourquoi ils communiquent sur le fait qu'ils vont faire du practical plutôt que du VFX. Allez, -y, on y va, c'est parti. Je vous je vous écoute. Allez, on y va. Alors, 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 alors. Non, soyez plus malins que ça. Vous vous, rendez, vous vous rappelez quand on se foutait de la gueule des fans de Batman qui nous disaient « Ouais, super, on va avoir un Batman enquêteur. Euh, » J'ai envie de dire « Ferme ta gueule. » Ils ont matraqué ça. Et du coup, qu'est-ce que c'est devenu dans la tête C'était devenu le pitch de vente. C'était devenu euh, le pourquoi du comment. Les gens allaient voir The Batman. Batman enquêteur, euh, pff, avec, des, avec des enquêtes dignes de Dora l'exploratrice. Il faut quand même le dire. Sac à dos, sac à dos, euh, sac à dos. Hein sac à merde, je dirais même. <laughs> Robert Partizan. Mais parce que comme vous étiez concentré sur le fait qu'on était sur un Batman enquêteur, ce qui est un pléonasme en soi, hein, ça revient à dire euh, je monte en haut, je descends en bas. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde a sucé euh, Reeves euh, parce qu'il nous faisait un film Batman enquêteur. Mais d'après vous, les gens... D'après vous, mais c'est parce que comme ça vous n'allez pas vous concentrer sur les effets spéciaux. Plus personne ne va râler sur les effets spéciaux, puisque vous serez omnibulé par les scènes en practical. Donc du coup, vous ne verrez plus les mauvais effets spéciaux. Plus personne ne critiquera les effets spéciaux, parce qu'on va pas se mentir, bande d'enculés. Vous êtes une communauté de bâtards qui, au lieu de regarder le film, sont là à l'affût du moindre détail dans les effets spéciaux. Vos yeux voient à 80 images par seconde et vous critiquez des images qui vont à 120 images Par seconde, donc ils sont obligés de vous, euh, comme dirait mon pote Laurent Martini. Si m'écoute, je lui fais un coucou. Ils ont pénalisé votre cerveau. Vous êtes sous hypnose, vous êtes sous état modifié de conscience. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils vous mettent sous état modifié de conscience. Voilà, parce que vous êtes, voilà, hein, vous voyez mieux que le moteur euh, qui fait les effets spéciaux. Vous êtes formidable. Mais je vous jure, hein, vous êtes une communauté d'enculés. Moi, je tiens à vous le dire. Mais c'est comme ça qu'on vous aime aussi. Hein. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça que vous êtes. Moi, je fais avec. Je suis avec. Je sais que vous êtes des, des, tous des sons de fils de pute. Mais je vous aime pareil. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Mais voilà. Non, mais c'est mais je vous jure que c'est pour ça. Ce n'est que... Et vous pensez vraiment vous, En plus, vous avez vu le nombre de super-héros qu'il y a dans ce film C'est une vitrine, le truc. Tu penses vraiment que tout va être en practical tu penses. Regarde, regarde, regarde là, déjà, déjà la question de s'enculer d'Alexis de Prato. <laughs> Mais vous voyez, ça marche Ça marche <laughs> Putain de merde Ah oui, oui, là, ils ont un très gros budget, Alexis. Pour être un peu dans la confidence, comme tu le sais, ils ont un énorme budget. Plus gros que ma bite, frérot. Ah, je te dis que là. Et, et pourtant, il faut en faire. Il faut en mettre pour être plus gros que ma tub. Mais là, frérot, je peux te garantir. Je peux te garantir que... Pht, ça va monter très haut. Donc, non, euh, non, 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 je te dis. <laughs> et vous vous faites avoir. Hein. Ça, ça, on voit les gars qui n'ont pas travaillé en marketing. D'ailleurs, je ne les ai même pas vus, les images. Il les a mis sur Trades ou sur euh, Twitter Oui, est June. Est-ce que c'est sur le site de Planète Superman Non, je ne pense pas. Parce que nous, on ne traite pas en temps et en heure. On, nous, on fait de l'analyse d'infos. On ne fait pas de l'actualité, mais. Euh... Il euh, faudrait que je vois Il a mis sur euh, X. Rien que l'ingénieur, on a vu sur les photos de tournage, elle a une tenue avec des. Ah, merci Noé. Voilà un enfant qui réfléchit. Voilà un enfant qui réfléchit. <laughs> Ma bébé, elle est morte de rire, Béranger. Alors, écoute-moi bien, cousine. D'accord Écoute-moi bien. <laughs> Cousine, tu danses ou je t'explose euh, Quand je suis ici, je me lâche. <laughs> je suis un autre personnage. D'accord <laughs> Je ne suis pas moi. Je suis Captain Morpheus. <laughs> quand je suis ici, je ne suis pas Cyril, tranquille, euh, voilà. Non, non, Cyril, euh, Kevin, ici, c'est Captain Morpheus. Je suis un autre personnage. Je suis mon ego ici. <laughs> <laughs> le négo l'ego le, le, du négro comme on dit euh, monsieur Ndiaye mes hommages donc euh, c'est la sensation reverse superman et je kiffe ah et oui frérot je kiffe aussi d'ailleurs on va on va voyager ce soir hein. je vais vous ramener à l'essence hein de toute façon vous savez quand vous finissez une émission avec le capitaine euh, quand vous finissez une émission avec le capitaine vous le savez vous le savez euh, vous repartez tout de suite moins con non, parce qu'il faut, faut, faut se dire les choses. Vous êtes très, très con à la base. <laughs> Tiens, je vous l'armée j'adore. Hein, comme ça, j'ai le temps d'aller de, de, pisser un coup. Tiens, ça c'est pour vous la section F, section fumier. Moi, je suis le lieutenant Morpheus au cas... Ou vous l'ignoreriez. Vous avez été choisi parce que vous êtes une bande de minables. Vous êtes la section F. F comme fumier. Quand je dis hé hey, les fumiers, vous savez que je parle de vous. Je suis le référent de ce putain de patelin de minables et je peux vous le garantir, vous allez me détester jusqu'à la fin de vos jours. Vous pensez savoir, mais vous ne savez rien. Vous racontez que de la merde. C'est pour ça qu'on va parler de Superman. Allez messieurs, dégagez, faut pas rester là. Et dégagez, faut pas rester là. <laughs> je kiffe, je kiffe, je kiffe. Eh là, là. oui, 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 alors pour ceux qui ne le savent pas, Béranger est un personnage de, de la bande dessinée. Elle représentera donc la Valkyrie Likana. Hein, donc, qui est là euh, ben, le, le, le sidekick loup du personnage de Lowell. Alors, vous verrez, vous verrez, bien, vous verrez bien. Il est là, mon June Comment ça va Ouais, moi je suis comme ça, je te fais des contre-pieds, June. Salut Oui, ça va. Salut. <laughs> Comment tu vas, mon June Tu vas bien, ouais, mon frérot Pas si mal. Pas si mal, ouais. pas si mal. Bonne soirée ça va à ta. tous. Bonsoir, Ouais, bon, t'es prêt pour samedi C'est toujours prêt, moi. <laughs> je t'ai mis un t-shirt de côté frérot. Obligatoire. Bon, toi, je t'ai pris un L je crois. Toi, oui, L, oui, hein oui, oui, oui. C'est ce qu'il faut, ce qu'il faut. Toi t'as pas un corps de lâche, ça va hein Pas encore. <laughs> Mon frérot, c'est bien. Ah, mais non, en faisant du, de la capoeira, forcément, tu, tu maintiens oui, ton ouais. corps, ce corps d'athlète. Voilà, on essaye, on essaye. On est essaye. pas ton nom, à, à part que tu nous fais une Edouard Philippe, là, sur le côté, sinon tout va bien. Hein euh, oui, c'est plutôt il fait, je fait veux, comme dire, moi, plutôt. Je veux, oui, c'est lui qui t'a copié, c'est vrai. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Tu es en santé, je veux dire, tu respires la santé, mon frère. C'est ça doit ben, Et la sagesse. Et, la sagesse. et sure. le calme. Parce qu'il en faut du calme pour travailler avec moi. Je <rire> <rire> ne fais pas de commentaires. Je ne fais <laughs> pas commentaires. <laughs> <laughs> Qu'est-ce qui t'arrive T'as perdu 10 ans. Bah Je travaillais avec Captain Morpheus, enfin. Oh, putain Oh, le coup <laughs> Pourquoi tu fais ça, frérot <laughs> Bon, en tout cas, j'étais. on était en train de discuter euh, sur euh, la com. Tu sais, ils sont en train de faire de la communication sur le fait... Euh, euh, sur le fait... Je suis en train d'essayer de créer un compte trade sur l'ordi, mais ça marche pas. Euh, pour voir les images de... qu'aurait posté James Gunn, mais bon, il, 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 il est en train d'essayer de leur, leur passer une merguez, comme quoi tout sera en practical, alors que non, euh, faut pas, faut pas, faut pas. Bah, disons qu'il y a des choses pour lesquelles on va avoir du mal à croire que c'est en practical. Non, mais déjà, Après, et ça ça va être le sujet de ce soir. Déjà, le fait qu'il soit allé euh, en Norvège, bon, on va déjà être sur un paysage pour la forteresse de solitude obligatoire. Donc clair. ça veut dire qu'on va avoir la forteresse de solitude. Oui. Euh, et ça qui est un élément hyper important de l'histoire de Superman. Mais là, si je prends tous les enculux, là, on est combien, on est une soixantaine là, du chat. Il y en a très très peu qui ont, on va dire, euh, alors, il y en a qui ont connaissance, forcément. Connaissance, oui. Euh, mais qui se rendent. Enfin, est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de l'importance de, de cet endroit Vu que, on va dire, pour le grand public, ce n'est pas un endroit qui a été hyper développé. Ou quand il a été développé, c'était sur des choses vraiment très, très succinctes. Hein c'est-à-dire oui. le film de 1978, donc où, 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 on, où on, a une, on a une belle forteresse de solitude, qui n'est pas forcément euh, à l'image de la vraie forteresse euh, qui était dans les comics, mais ils ont, ils ont inventé un truc qui est devenu, du coup, coup, la version officielle. On va le voir tout à l'heure. Hein, cette cité de cristal magnifique. Les fameux cristaux. Ça a un peu donné une euh... référence pour plein de gens et pour, pour plein de. Et eh oui. Donc. <laughs> Donc voilà, regarde, tu vois, je prends Alexis de Prato avec sa tête de Pascal Pro, tout de suite, il il sait pas. Il sait pas. Mmh, alors bah alors ça, alors ça critique toute l'année les films de super mais ça, ils savent pas. Donc nous on est là pour pour les éduquer, c'est 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 maintenant. Hein OK Noé, bisous, fais de beaux rêves. <laughs> fais de beaux rêves et t'inquiète, je t'oublie pas, euh, ça part avec les colis de la semaine là, je reçois parce que j'avais pas d'enveloppe pour vous les envoyer. Donc, je ne voyais ouais. pas mettre ça dans des boîtes pour vous envoyer les colis. Euh, J'ai commandé des enveloppes euh, Amazon pour ça. OK C'est beau. Bon. La forteresse, hein, tu vois, quand je vois ce genre de truc, euh, tout de suite, wow, je me dois dans l'obligation parce que là, c'est une obligation. Un, deux. Wow <laughs> oh, obligé. Que, malgré tout, c'était une question qui posait. Il y a des points euh, d'interrogation. Hein. Oui, mais justement, il ne devrait pas. Wow voilà, la doublette, la doublette, Alexis. Alors oui, parce qu'on le verra dans la version de Man of Steel, effectivement, euh, ce, qui, ce qui ressemble de près ou de loin à la forteresse de solitude, euh, on le verra, c'est le, le, euh, le vaisseau qui s'était échoué il y a des, des centaines de milliers d'années sur la Terre. Euh, donc voilà, DJ Notice la forteresse de solitude alors que Superman a utilisé celle-ci pour en faire un zoo. Ah ben oui, mais oui, mais on verra, on verra, vous verrez, vous verrez. Elle est très intéressante, cette forteresse. Elle est un peu glauque. Mais euh, il fut une époque où euh, la forteresse de solitude était aussi importante que la Batcave. Parce que quand tu dis Batman, tu dis Batcave, personne ne dit rien. Exactement. Alors tu dis forteresse de solitude, bon, pour Superman, alors que non, les gens. Pour les vrais, les... là, je parle des gens qui connaissent vraiment Superman, euh, pas les enculux qui font semblant. Je te parle des vrais. Okay. Euh, ça reste toujours une frustration. Tu vois, chez les gens de Superman Homepage, quand on discutait, il y a toujours une frustration parce que quand tu ne traites pas la forteresse de solitude, tu ne traites pas un des aspects de Superman qui, pour moi, est négligé. D'accord Qui est vraiment négligé, ouais. c'est son intellect et, et son côté Et oui, mon cher June, toi même, tu sais. Donc, pour moi, j'ai l'impression que Gunn va traiter le truc. Je ne sais pas. Je... Je... Ça sent. Un peu. Ce hein sera bien. cab je sais qu'il veut la grosse clé de la. <laughs> Frérot, je la mets dans ouais, mon jardin. Ouais. Et je te jure que... Alors, <laughs> pour savoir, et je vais vous le montrer. Je crois que je vous ai mis des images, mais il y a un centre, il y a un escape game, je ne sais plus où c'est, c'est à Los Angeles ou quelque part. Ils, ils ont la clé devant. Putain. Je mets la grosse clé. Ah, t'imagines le collectif de, de... J'ai la place là en plus. Hein. J'ai la place, je la mets juste devant chez WAM, là. Ah ouais, je te dis que. Ah, oh, je fais ça bien. Euh, donc voilà, non, 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 c'est intéressant. Donc, on, 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 c'est ce qu'on va regarder ce soir. Euh, je vous laisse. Alors, soit nous envoyer un lien ou soit June, toi, euh, je te laisse essayer de chercher les images justement du practical de gun. On fera, on fera une petite euh, revue Twitter après quand on aura fini. Mais là, ouais. voilà, puisqu'on est dedans pour la transition. Euh, je vais aller me chercher à boire, donc je te laisse avec les gens. Parle leur du TGS samedi euh, dimanche. Euh, J'arrive. Oui. Alors bah déjà je vais, je vais faire un coucou à tout le monde moi parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Hein alors voyons voir. Hop dans l'ordre. Ok. Bon alors salutations Corridiu. Mathieu Bâton, coucou. Prado Forever. Salutations. Alors, généralement, je fais les salutations à tout le monde dans le chat. Hein. J'essaie toujours d'avoir de, l'ensemble des personnes. Euh, je peux continuer comme ça. Mais bon, donc, ceci dit, pour le, pour le TGS, nous serons sur place au TGS euh, de Montpellier. Euh, donc, c'est le 5-6. Donc en fait, on y sera dès vendredi prochain et on y sera le samedi, le dimanche, sur place. Euh, je ne pourrais pas vous dire le hall, ce sera communiqué par la suite, mais euh, on y sera avec un certain nombre de poteaux. Et on compte sur vous, si vous êtes dans le coin, pour passer et euh, nous faire l'honneur de, de votre présence. Euh, que dire d'autre euh, au niveau du comics? Je sais pas si vous en avez parlé, moi je débarque en plein milieu. Euh, bah écoutez, ça avance bien, hein, ça avance bien, hein, ça cravache. Il y a pas mal de dingueries en perspective qui vont être euh, en images. Donc là, chaque fois que je vois ça, je me régale, vous allez vous éclater, les gars. Euh, et donc, euh, voyons voir qu'est-ce qui est dit en, en dernier lieu. Tac-tac, euh, Dune, tac, c'est le VFX, superviseur du film qui a partagé les nouvelles photos. Stéphane Serati. Oui, bien sûr, à chaque fois c'est lui. On va essayer de se trouver ça. bougez pas. Sur son Insta, je suppose. Généralement, il met ça sur son Insta Serati. Euh, Hop, on va essayer de trouver ça. Là, j'étais un, un peu en veille de temps en temps. J'ai besoin de besoin de se reposer. On était on surtout pas, pas mal en préparation du, du salon, faut reconnaître. Et donc, euh, Stéphane Serretti, Hop. Ouais, ouais, ouais. Tac, 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 tac. Euh. C'est Mathieu Bâton qui nous parlait de Stéphane Serretti. De quoi Qu'est-ce qu'il y a quoi, qu c'est Stéphane Serretti qui aurait mis les photos de VFX. Ok, merci Stéphane. C'est sur. Euh... Moi, en réflexe, je, je pensais à son, à son Insta, mais pour l'instant, il faut que je remette la main dessus. Regardez, moi, je bois de l'eau de Krypton. Forcément. La seule, l'unique. Je bois des nuages, enculé. y en aurait-il d'autres Là, ça fait des nuages dans l'eau. Oui, C'est de l'hydrogène. Je bois de l'eau. Vous... Eh, ça ressemble pas au truc dans, dans Superman 3 Tu sais, là, si. qu'il amène. Euh, tu sais, <laughs> la... C'est sûr, ça ressemble à ça. Ça ressemble au truc dans Superman 3 qui boule, qui tue le robot à la fin. Je te jure, hein, cette gourde-là, elle est, est supermanesque. Bon, en tout cas, oui, ah je te bah... laisse regarder ça. On va ouais, je, suis en train de... je suis en train de rechercher ça. On va voir si on va partager l'écran. Et on verra le lien. Ce n'était pas le sujet de ce soir, de toute façon. Mais euh, voilà. Ouais. On vous fera un live actualité, certainement. Ben voilà, on, on, on essaye de cumuler parce que le but du jeu, ce n'est pas de réagir à l'actualité. Il y a plein de gens qui le font sur Internet, on s'en fout. Mais on essaye d'accumuler plusieurs informations il voilà, faut donner une contre, valeur ajoutée quoi, si c'est si pour couper voilà, tout et ce que a un débat avec les poteaux NCK, et voilà, où on discutera sur, sur ce sujet-là mais là c'est pas Allez, on y va les gens, donc on est parti. Voyage à la forteresse de solitude. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Et encore une fois, quand vous repartirez de là ce soir. Alors, ce qu'il faut savoir, là, vous ne le voyez pas, mais vous voyez le dessin qui est à l'arrière. là. Je, J'avais dit que je vous la posterais, je ne sais pas si vous allez la voir. Mais ici, derrière, tout mon triceps, c'est le dessin que vous voyez euh, avec euh, Lara et Jorel qui portent euh, Krypton. Mm. <laughs> Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc on va le voir, on y va, c'est parti. Donc la forteresse de solitude. Pourquoi Parce que euh, pour moi, ça reste un élément, euh, alors qu'il soit ou pas traité dans le film. Moi, j'aimerais qu'il soit traité. A priori, il sera traité, on l'a vu. Euh, mais la forteresse de solitude reste un élément pour moi, un, une, un des, des éléments de l'histoire de Superman qui est le plus important. Pourquoi Parce que on le verra. Euh, le traitement de la forteresse de solitude vient marquer, et ça c'est important pour votre culture supermanesque, vient marquer le début du Silver Age. C'est-à-dire que elle a été traitée dans le Golden Age, on le verra, juste avant le début du Silver Age, parce que quand on parle du Silver Age, c'est un peu nébuleux hein, pour les gens, même pour les gros fans de Superman, ils ont vraiment du mal à, à, à dater. Le début du Silver Age euh, de Superman, la plupart du temps, on ne sait pas trop. Euh, Otto Binder, euh, Kurt Swan et tout, effectivement. Mais euh, pour beaucoup, euh, le début, et là je, je, je vais vous. Ah, ça y est, mon nom est hydrogénée. Le début du Silver Age, c'est Action Comics 241. Euh, ouais, ouais, 1958, Action Comics, 1900, euh, de, 241 1941, alors si vous voulez vous procurer ce, cet Action Comics, alors là quand je vous parle d'Action Comics 241, je ne vous parle pas des éditions françaises, je vous parle d'éditions américaines, vous savez que j'ai été avec les éditions américaines, donc arrêtez de me parler d'Urban euh, Comics, euh, non. Euh, là. Clair. Moi, je te, moi, je te parle d'un temps de... D'ailleurs, là, je ne l'ai pas là, je dois, il doit être au garage. Mais pour ça, vous achetez le Omnibu, Omnibus Silver Age. Et justement, vous verrez, le Omnibus Silver Age commence par euh, la découverte de la forteresse de solitude. Donc, euh, pour moi, élément essentiel, euh, puisqu'il traite, justement, là, on parle d'un film qui s'appelle Superman Legacy. Enfin, qui devait s'appeler Superman Legacy. Et on parle de son héritage kryptonien. Cette forteresse est le seul témoin de son héritage génétique de Krypton. Et, oui. et de la culture kryptonienne. Pour moi, c'est dans ce sens-là qu'elle est hyper, hyper importante pour l'équilibre du personnage. Hein, vous comprenez bien, euh, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit euh, Le dessin, cap, le dessin derrière toi, de l'entrée de la forteresse et de quelle année Okay. derrière moi où non tu parlais derrière ton bras <laughs> ah ce dessin euh, ce dessin qui est là je pense que c'est euh, ça c'est la forteresse je crois que c'est Rebirth je crois hein. je ne sais pas te dire de bêtise de toute façon je l'ai dans le truc on va, on, va, on va le voir tout à l'heure c'est soit Rebirth euh, soit New 52 mais euh, la scène de New 52 elle est un peu différente donc on y va à la forteresse de solitude emblématique dans l'univers. De... Je vais vous le faire à l'ancienne, parce que là on est dans les années euh, années 40. La forteresse de solitude emblématique dans l'univers de Superman est une création de DC Comics, offrant à Superman un sanctuaire où il explore son identité kryptonienne et sa mission sur la Terre. Certes, forteresse fictive initialement. Euh, voilà, initialement, est une simple installation montagneuse près de Metropolis dans les années 40, effectivement. Donc, dans les années 40, c'est ce que vous voyez là. Hein, vous voyez, c'est cette image là. Et elle n'est pas dans les aventures classiques de Superman, mais dans celui de Terre 2. Donc, euh, le Superman du Golden Age. Voilà. Donc, on voit euh, une installation montagneuse. Euh, euh, dans les années 40, donc évolue une structure complexe et secrète euh, dans les lieux reculés de l'Arctique, de l'Antarctique et même des Andes et même la forêt amazonienne dans certaines narrations. D'accord. Ce changement de décor souligne la nature isolée et la portée mondiale de la mission de Superman. La forteresse de solitude est connue euh, de quelques-uns des alliés les plus proches de Superman, notamment Lois et Batman, tandis que son existence et son emplacement restent un mystère pour le grand public. Hein D'ailleurs, on voit ça dans Men of Steel. Quand il dit euh, Ouais, général, euh, vous essayez de savoir où je range ma cape. Oui, mais qui ne dit que vous n'êtes pas un ennemi des, des États-Unis Il dit euh, Je suis tu élevé dans le Kansas. Plus ricain que moi, tu meurs. Ouais, J'adore cette phrase. D'accord <laughs> euh, voilà, Donc, ça a toujours été. <laughs> Et ce drone a coûté des millions de dollars. Ferme-la. J'adore quand Superman il fait des punchlines. Euh, ce changement de décor souligne la nature isolée. Voilà, la forteresse de solitude est connue de quelques-uns des alliés. Voilà, blablabla. L'un des, des éléments les plus notables de la forteresse est la statue commémorative de Jor-El et Lara. Donc ça c'est le tatouage que j'ai derrière le triceps. Euh, parent de Superman, symbolisant son héritage perdu de Krypton. Bien que Superman possède des quartiers d'habitation dans la forteresse, il continue à résider principalement dans l'appartement de Clark Kent à Metropolis, soulignant sa dualité identitaire entre Superman et son alter-ego humain. La conception de la forteresse de solitude avec sa porte, avec sa porte dorée massive nécessitait une clé surdimensionnée pour l'ouvrir, illustre l'ingéniosité de la puissance de Superman tout en servant de métaphore visuelle à son isolement et à sa responsabilité de garder... Certains secrets loin des mains malveillantes. Cette caractéristique de conception remonte à l'âge d'argent, donc au Silver Age des comics, lorsque la forteresse a pris une importance centrale dans les récits de Superman, offrant euh, un fond pour de nombreuses aventures et réflexions personnelles du héros. D'accord. Originellement inspiré par le héros euh, de pulp, euh, de, de oui c'est ça, de Doc Savage et euh, de Pop, Doc Savage et sa propre forteresse de solitude dans l'Antarctique dans les années 30. Donc il faut savoir que la forteresse de solitude a été l'idée a été piquée sur les bandes dessinées de Doc Savage pour ceux qui connaissent Doc Savage, il y a eu des films, il y a eu des grosses séries Z sur Doc Savage, hein, des gros nanars. Euh, donc voilà, donc c'est quelque chose, voilà. La forteresse de Superman transcende son rôle de simple cachette ou laboratoire, elle représente un lieu de mémoire. De réflexion, de sanctuaire. C'est là que Superman se connecte avec ses origines extraterrestres, tout en s'efforçant de protéger et de comprendre le monde qu'il a choisi de défendre. À travers ses différentes incarnations, la forteresse de solitude reste un symbole puissant de l'héritage, de la solitude et de la quête inlassable de Superman pour la justice et la vérité. Donc, en gros, euh... voilà. Là, vous avez euh, un petit résumé. Très rapide que ce que je, un peu ce que je vous ai raconté euh, avant de le lire euh, et surtout les origines voilà les, les origines c'est la forteresse du solitude de Doc Savage donc c'est les inspirations euh, par rapport d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui qui ont été inspirées de Doc Savage ne serait-ce que chez Batman son côté enquêteur son intellect et, et tout ça son désir aventureux DC Comics hein, euh, à l'époque euh, hein, n'ont pas tari de d'inspiration pas dire de plagiat de Doc Savage. Ça hein je savais. Euh... Ouais non mais c'est euh, voilà quoi. <laughs> non, ça, ça 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 je ah, peux pas dire voilà. ça. À un moment donné il faut rester sérieux les gens. Oh c'est pas possible. Non 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 arrêtez de comparer Superman <laughs> et Homelander s'il vous plaît. Homelander est une est une satire est une parodie. Ce n'est pas le vrai monde. Une satire, c'est quand tu, tu, quand tu prends quelque chose et que tu pousses à l'extrême, voilà, hein, les, les, toutes les déviances voilà, d'une de, 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 œuvre. Ne confondez jamais une œuvre originale et une satire, s'il vous plaît, les gens. Ne vous dites pas que la satire est plus cohérente que l'œuvre originale. C'est remettre en question même... Euh, non, mais c'est le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement déviant. Que la satire devient la, la, la version la plus cohérente pour les gens. Tu comprends On vit dans un monde tellement fou que Homelander est plus cohérent que Superman. Oui, il est temps de vous reprendre les gars. Là. Hein euh, Non, non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Là je, là, je balance des. Tu comprends bien que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Il faut ramener l'église au milieu du village. Cette génération est perdue, frérot. Oui, fond. Ouais, C'est la, hein. la génération peacemaker, frérot. C'est la décadence. C'est à cause de ces gens-là qu'on a Yann Akamura euh, aux Jeux olympiques euh, qui va chanter, frérot. On oui, est dans non, le monde... Ouais. <laughs> <quoi. rire> oh, <laughs> hein, non, mais, non, mais, mais est-ce que tu vois le truc -ce que, non, non, Mais ce n'est pas pour euh, vectiver notre, notre jeune DJ. Hein mais ce pas possible, cette, cette société. Tu comprends Là, tu as un personnage dans sa dualité, dans sa double identité, dans son trauma. Hein, tu sais, quand, quand tu perds tes parents, euh, le premier trauma, on l'avait fait avec Batman, le premier trauma qui va arriver, c'est la dissociation de personnalité. Tu vois Tu vas vouloir te détacher de l'individu qui a perdu ses parents. Alors, Batman, c'est violent, il les a vus mourir, hein, carrément. Donc, il crée Batman, tu vois, sa dissociation de personnalité. Mais c'est un peu, tu, si tu veux ça c'est un peu une, une redondance dans les super-héros. Flash, il perd sa maman. Il y a des... Euh, Spider-Man, il perd Uncle ben. Tu vois, c'est... Il y a toujours ce petit truc qui fait basculer le héros dans la, la dissociation de personnalité, non pas pour vraiment cacher son identité secrète, mais plus pour se dissocier du personnage qui, lui, va aider les autres à ne pas perdre ses parents. Est-ce que tu vois le, le délire ?— Oui, complètement. Hein, — C'est une forme de sociopathie Hein ah, bah oui, ça c'est clair. C'est une bah forme. Oui. Les, 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 les super-héros sont plus ou moins, Batman encore plus que les autres, des sociopathes. Tu comprends Donc, c'est là qu'est la cohérence, en fait. C'est là qu'est la cohérence. Ne me dis pas, comme Lander, qu'avec tous les traumas qu'il a eu que ce gars-là est cohérent. Ce gars-là est fou. Ce gars-là est devenu un <laughs> psychopathe. Ce gars-là, non mais. Putain. Ce gars-là, il va, il va. Non, mais t imagine, t imagine. Là, DJ Not Nice, il nous dit que Homelander est plus cohérent parce qu'il se branle sur une gargouille euh, au-dessus de la ville. Ok. Euh, non, en fait. Euh, Homelander, euh, fils de pute, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais Homelander, il se met au-dessus de la ville comme ça et il se branle. Et ce gars-là est plus cohérent que Superman. Est-ce que tu vois la société dans laquelle on vit Oui, oui, je vois surtout l'image qui, qui risque de rester dans les esprits des gens au final. Oui, Mental Picture, désolé. <laughs> Mais il faut pas regarder The Boys. Moi, j'adore The Boys parce que je sais que c'est une satire et je ne le confonds pas avec les œuvres originelles. J'aime le côté, euh, tu vois, parce qu'on on va pas se mentir si demain, les, les humains de notre époque auraient des super-pouvoirs, il y a plus de chances qu'on ait des Homelander que des Superman avec tous les sombres fils de pute qui nous entourent. Ah. Oh bah, oui, oui, c'est sûr. Voilà. Mais ça reste une déviance C'est ça euh, ça ça difficile. Bah, en même temps, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a des, de vraies valeurs et de vraies choses à défendre. Tu vois, mais c'est vrai, intéressant, c'est vrai que j'ai remarqué que Superman repart dans sa forteresse pour se poser et réfléchir à sa place dans le monde. Oui, parce que quand il est dans la forteresse, il est vraiment dans ce lieu où il est les deux. Quand il est dans sa ferme du Kansas, il ne peut pas être un alien, à part avec ses pouvoirs. Alors que là. Tu vois, la, la force, pour moi, la forteresse de solitude, je vous le dis honnêtement, euh, d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de reconstituer, moi, dans mon bureau, hein, quelque part, c'est l'endroit où tu te poses, et vraiment, là, tu es, en... voilà, es bien. Es, es, es... D'ailleurs, on va voir que Superman a des délires chelous. <laughs> <Du> coup, <laughs> Surtout le Superman du Silver Age. Moi, la, 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 tu sais, la, la, la forteresse du Silver Age, elle fait un peu flipper. Je vous le dis, <laughs> moi, je la trouve chelou. Mais disons que... Elle va marquer euh, au fer rouge, euh, on va dire, les éléments qui vont revenir de façon récurrente dans les comics. J'ai bien dit dans les comics. Puisqu'on ne verra jamais une forteresse aussi développée, euh, on n'en verra jamais une aussi développée, dans, que ce soit dans les films ou les séries. En revanche, dans les comics, dans les animés, oui, on la voit. Dans les animés, on le voit souvent. Mais dans les films et les séries, on ne le voit pas. Ça. Et ça, il faut vraiment aller dans les comics en profondeur. Il y a des éléments bien particuliers qui, vont, qui ont été marqués au fer rouge dans les années 50, euh, fin des années 50, début des années 60. Donc voilà, hein, voilà ce qu'on retrouve dans la forteresse de solitude. Hein. Donc ça, c'est dans la première version. Donc on a la, la salle des trophées. D'accord on a la, la pièce de Superman avec ses costumes. Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on on, on verra, on le revoit dans Man of Steel. Il y a la salle de Batman et Robin où on voit Bruce Wayne et... alors par contre, ouais, si tu rentres dans la, la forteresse de solitude, Superman, c'est un enculé. Euh, il dit tout. L'identité secrète. <laughs> euh, bah, bon déjà, faut porter la clé pour entrer. Mais c'est un peu chaud. Euh, ensuite voilà, il y a la salle de Supergirl. Girl, euh, Il y a les, les, les robots atomiques. Il y a, alors déjà, on a la première euh, euh, première représentation des statues de Lara et Jorel euh, On a une pièce euh, MacKent et PaKent donc reconstituée. Euh, et on a euh, le Daily Planet avec euh, et, voilà. Et surtout, 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 candor. la bouteille de Candor. Ça, c'est un des éléments. Et je pense que c'est un des éléments qui peut aider énormément aussi dans le plot du film si tu veux engager Breignac plus tard. Tu vois Oui, oui. La bouteille de Candor, euh, ça aussi, c'est important. Donc déjà, là, on est sur la toute première version. Euh, voilà. Euh, donc voilà, hein, vous voyez, c'est le Superman du Golden Age. Il rentre. Alors tout de suite, ça ressemble à un petit musée. Par contre, il y a au sol, il y a un damier maçonnique. Je tiens à le dire. Je l'ai vu. Vous ne l'avez pas vu parce que vous ne voyez pas ce genre de choses, mais moi, je l'ai vu. Donc voilà. Donc voilà. Action comics numéro 241. La fameuse. La fameuse. Je l'ai. Je l'ai, mais à l'intérieur du omnibus. Je l'ai aussi en noir et blanc, à l'intérieur du showcase Superman. Que vous pouvez trouver hein, sur Amazon. Vous tapez Showcase Superman. Euh... Euh, voilà. Après, c'est ce qui vous aimez lire des trucs en noir et blanc. Moi, j'ai été élevé avec les, les BD de mon papa qui étaient une page en couleur, une page en noir et blanc. c'est un truc de dingue. Hein, et donc, moi aussi, euh, ça, je ça. Je trouve ça trop bien. D'accord. Mais euh, pour moi, on est là. The Super Key to Fort Superman. Euh, voilà. Donc voilà, au, au début, ça s'appelle Fort Superman. Ça s'appelle aussi la, cita la citadelle secrète. The Secret Citadel, avant de s'appeler la forteresse de solitude. Mais là, ça s'appelle Fort Superman. Le fort, comme Fort Alamo. Euh, ouais, exactement. Ça. Mmh. Euh, voilà. <laughs> donc, euh, c'est donc important. important de de... Tout à fait. Alors, je vais juste voir un truc. Hop. <laughs> j'en réponds. Le Je réponds message, je me fait engueuler. Euh, Captain Edwards. Oh, là. alors quand je dis cousine, c'est et sœurette ou et, et Poupée. Tu vois Tu sais, comme dans Dariahme. On est né marseillais, non Donc, Bah écoute, ouais. Cousine, tu danses ou je t'explose. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Captain Comics, une clé qui pèse 100 000 millions de tonnes, c'est important de le préciser. Tout à fait, Captain. Et, et, et non, mais c'est vrai. Et, et bon, là, là alors, ce qui, alors, ce qui est intéressant, c'est parce que le design, et moi, ça m'a toujours troué le cul. Le design de la clé, <laughs> de la couverture, n'a rien à voir avec ah, le ouais, design. Derrière, exactement. Alors, 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 il faut savoir, il faut connaître l'histoire c'est qu'au début, tout le monde se demandait ce que c'était. Euh, c'est quoi Mais C'est une clé. Ah, mais on dirait pas une clé. Donc, du coup, pour la couverture, pour bien expliquer qu'il avait une clé géante, ils ont fait une clé, mais à l'intérieur, ils ont repris le design. Euh, voilà. Alors, il a rangé la clé de taille du Michigan. Ben, regarde. <laughs> euh, première image, tu l'as ici. Alors, attendez, je vais, je vais vous la mettre en grand. Euh, première image, euh, attends, ça, c'est en grand. Euh, tac, hop. Voilà, hop, voilà. Et on va enlever le. La partie de gauche. Le message, voilà. Mais regarde, tu regardes, il y a, il a, il a, il a, a un double clou là-haut, je ne sais pas si tu les vois, et il range la clé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, alors, c'est un peu chelou. <laughs> c'est là que je vous dis que c'est un peu glauque, les gens. Parce qu'en fait, dans cette première forteresse, alors, je, je pense qu'à l'époque, on est dans un délire. Okay. Mais aujourd'hui, à, no... de... <laughs> à notre époque, on dit, ouais, il est un peu harceleur, c'est un peu un stalker. En fait, il a une pièce, Lois Lane, avec une statue, une reconstitution de Lois Lane, avec un collier. Et en fait, tout ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est des cadeaux que Superman fait à ses amis au cas où il mourrait. C'est un peu chelou. Donc, pour Lois Lane, c'est un collier. Pour Jimmy Olsen, c'est une voiture de sport qu'il a construit lui-même. Ah, tu imagines, tu une voiture de sport construite par Superman. Ça te dit, le super hey. intellect mécanicien. Un petit peu intelligent, le gars. Hein voilà. Il a Batman, où il a plein de choses, de machines électroniques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, ouais, c'est un peu chelou parce que tu te dis, même s'il meurt, comment ils vont ouvrir la porte pas chercher la cohérence absolument partout non plus. Hein. Ah non, dans <laughs> le Silver Age, si tu cherches la cohérence, tu es mort. Bah parce que tu sais, aujourd'hui, des générations d'enculés, là, euh, ils, ils, ils. Comment te dire euh, ah, Ils décortiquer. En anglais, on dit ah, oui. overthink. On, 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 on surpense tout. Ils le tout. Hmm. Voilà, alors qu'à l'époque du Silver Age, années 60, le ferme ta gueule, c'est magique. Il est, mais pff, la suspension d'incrédulité là, comme il, il aime dire, mon pote. Euh, euh, ouais. Mon pote Redouane, elle n'existe pas! Enfin, non, elle, 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 il n'y a que ça en fait. Tu vois oui. ce que je veux dire? Il n'y a que ça. Donc, il a je même. Une oui. Voilà, voilà, il a, il a tout un ensemble de trucs. Donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, il a un zoo avec des animaux extraterrestres. On va rentrer plus en détail. Il a une pièce que lui a offert le Batman avec la tête du Joker dessus. Donc, c'est un délire. Hein, là, là, on commence à voir quelques pièces. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un endroit où il entrepose des chocs, des choses qu'il ne pourrait pas entreposer dans son appart. On est vraiment, tu sais, les. Ou des oui, choses dangereuses. Le, le, les, les Américains, les, les hommes américains, euh, avaient des clubs où ils se retrouvaient, où ils avaient ce qu'on appelait des Lairs, L-A-I-R. L -A -I -R. Un lair, c'est un endroit où tu as ton billard, tu as ta télé. Tu vois, c'est un peu mon setup. Mon setup, c'est un lair, en fait. Ici, je peux vivre. Je mets un frigo, je vis. Bon, je vais dormir, repartir, j'aurai mal au dos, mais euh, petit canapé frigo, c'est bon. Un lair, mmh. c'est ça. C'est un endroit où l'homme va se retrouver pour se taper un délire. Tu vois, là, il, 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 peint, des, il peint des œuvres d'art. Tu vois, c'est son délire. C'est l'endroit où il se tape un délire. Tu vois Neverland de Michael Jackson, c'est ça. Tu vois Neverland, tu regardais Neverland de Michael Jackson, tu avais des pièces, t'avais des trucs improbables, mais c'était le délire à Michael. Euh, la fête foraine dans le jardin, euh, les lions, le zoo, mais c'est un peu ce délire qu'avait Superman. Tu vois. Le repère, merci. c'est beau le, mot, le merci. repère. Très simple, ça. Merci, merci. Euh, Qu'est-ce que nous dit NDI ah ça c'est intéressant, c'est de l'archivage hors norme. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. OK. Donc là, voilà, on voit le zoo et surtout ce bateau. OK. Donc, euh... <laughs> euh, voilà. Euh... Il récupère un bateau. Le bateau, voilà, boum. Ce bateau, on le verra. Il va le mettre dans sa ce... forteresse de solitude. D'accord donc, euh, voilà, c'est un cadeau que lui font euh, les gens. Donc là, on, on, on va jumper, on va partir euh, vraiment à, à, à une version. Donc là, on est dans le Bronze Age, entre euh, le Modern Age et, euh, Age et le Silver Age, voilà. Euh, où là, on commence à rentrer, euh, on va voir plus de détails sur le sanctuaire. Euh, donc là, c'est un floppy qui était sorti à l'époque, une édition a, uniquement a, dédiée à la forteresse de solitude. Qu a qui est nommée Fortress of Solitude, d'ailleurs. Alors qu'auparavant, c'était Fort Superman. C'était Fort Superman ou Citadelle Secrète Dans les comics. On peut dire que là. La... Oui, effectivement, Mr. Earl, et tu ne crois pas si bien dire, on va le voir. Euh... Je ne sais pas si on l'a vu avant. Euh, non, on va le voir après. Là, si tu tu, que... si, tu, si tu reviens là juste un instant sur la forme de la de, de la clé sur le, le comics précédemment oui là on a tu la bonne t'expliquer les deux formes là euh, la, la forme un peu pointue sur un des un des plans sur une des, dans une des cases c'est posé sur une montagne pour donner comme une flèche pour donner une direction une indication tout à fait tout à fait elle est posée en face pour donner une indication où se trouve la, la forteresse voilà. Donc voilà, hey, hi, glad you could be here for my races with the Flash. Hein, donc ça, en fait, c'est un truc qui avait été... Alors, vous l'avez, euh, je crois que je l'ai ici. Tu vois, à la fin de ce... Ouais. de ce comics. Euh, moi, j'ai des pièces de collection, les gars. Je ne vous dis pas le prix de celui-là, sinon vous allez venir chez moi. Mais, euh, mais voilà. <laughs> voilà. Donc, à la fin, vous avez ce que je suis en train de vous montrer. Donc, on y va. Allez, hop. hop. C'est parti. Donc, là, vous voyez euh, la forteresse. Donc, euh, non, je pense qu'on est, est même dans le Modern Age, là, à ce moment-là. Donc, là, vous voyez les différents étages. Vous voyez comment est faite la clé aussi. <laughs> Giant arrow key, Time Use, Root Signaling. Euh, oui. voilà donc en bas vous, en haut vous avez donc euh, cette pièce donc c'est sa pièce à trophée donc on retrouve le bateau des années 60 euh, on retrouve voilà bon, on voit on voit un truc qu'il a qu'il a qu'il a dû tordre à un moment donné qu'il a gardé ce dinosaure offert par batman vous verrez que Batman a le même dinosaure dans la Batcave, euh, et vous avez voilà absolument toutes ces choses-là. Vous avez la salle des communications, donc ça c'est quelque chose qu'on voit énormément. Euh, la salle des statues de jor et Lara, donc ça c'est quelque chose qui va revenir. C'est ouais. quelque chose que voilà quand vous regardez la forteresse de solitude, c'est des choses que vous devez voir. Euh, de façon redondante. Hein. Euh, donc les statues de Jorel et Lara, euh, tout ce qui est euh, le Krypton Memorial avec son vaisseau, tous les trucs qu'il qui, qui a gardé depuis qu'il est euh, voilà, qu'il qui, qui avait dans son vaisseau, son ses supers armes. Ah oui parce qu'il a des supers armes. Hein, voilà, euh, il a un gaz antibactérie. Il a un système de sécurité aussi pour la forteresse qui est basé sur les technologies euh, kryptoniennes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Superman travaille sur toutes les maladies terrestres, le cancer et compagnie. Tu vois, même, même quand il trouve le, le remède contre le cancer, il se demande si c'est à lui de le donner à l'humanité. Oui. Où sont les toilettes bon, Je pense qu'il doit pisser quelque part dans le cul du dinosaure. Hein, je sais pas, mais... <laughs> <laughs> voilà la salle des archives, euh, la salle du super ordinateur. Non mais franchement, la Batcap de Batman à côté, c'est numpe. Hein. Ouais, D'accord? Et, et surtout, petit. vous avez la bouteille, la bouteille citée, la bouteille vide. Et, et de Candor, effectivement. Donc vous voyez à l'intérieur. Hein, euh, ouais. Vous voyez les Candoriens qui vivent à l'intérieur de la bouteille. Et donc là, vous avez une explication. Donc, euh, moi, je vous invite vraiment. Alors, peut-être que je pourrais vous les envoyer ou vous pouvez peut-être les trouver sur Internet. Là, c'est des scans euh, qui sont pas très de trop bonne qualité, mais vous pouvez les trouver où effectivement, euh, voilà, vous avez toute l'histoire, euh, tout ce qui est par rapport à la bouteille de Candor et tout. Vous avez le zoo, donc avec tous ces animaux extraterrestres, insectoïdes, des trucs un peu, un peu délire. Le super laboratoire. D'accord, et la gestion de la Phantom Zone avec le projecteur de la Phantom Zone. Donc, ça, c'est des choses que vous allez voir, que vous devez voir dans une forteresse de solitude qui se respecte. Hein, ça, c'est euh, voilà. C'est des choses alors que vous n'avez pas vues dans le film de Christopher Reeve que vous n'avez pas vu ailleurs. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que dans le monde des comics et dans les animés, vous retrouvez euh, sensiblement toujours les... ces éléments là. Ce sont les éléments de base. OK Donc là, voilà, là, la, salle des... la, la salle des. La sécurité, toujours pareil, hein, la pièce de Laura. D'ailleurs, si vous avez le comics Justice de Alex Ross, je vous ai fait un petit euh, parallèle, mais on retrouve euh, quand euh, Superman fait venir euh, mmh. tous les héros, là, là, on voit Métamorpho d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je me dis, on voit Métamorpho, euh, je me dis que Alex, euh, comment il s'appelle James Gunn Ça approche là, ouais. Donc on voit, on voit la, la barre qu'il a tordue là bas dans le fond, là je sais pas si vous la voyez, on okay. voit le dinosaure ici sur le côté, on retrouve des éléments donc de base de la forteresse. C'est à dire que là, Alex Ross, on voit qu'il connaît son sujet, parce qu'en un cliché, vous savez que vous êtes dans la forteresse de solitude. Hein ouais. Et oui, et oui, c'est une villa. <laughs> Captain, ah, tu n'aimerais pas avoir Candor en bouteille comme dans Big Bang Theory Ouais, j'aimerais bien. Euh, pff, euh, ouais, j'ai de moins en moins de place dans mon setup, les gens. Euh, si je m'écoute, là, je préfère cumuler du comics en ce moment. Mais euh, ça serait bien d'avoir la bouteille de Candor. J'ai une, une kryptonite rouge dans une bouteille. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. <laughs> J'ai une petite fiole de kryptonite rouge dans une bouteille. Euh, donc voilà. Mais euh, voilà. Allez, on y va, les geeks. C'est parti. Voilà. Donc ça, c'est son agenda. Et il ne un... peut pas avoir un petit cahier, euh, tu vois, son journal intime. Et, et en plus, il écrit en kryptonien. Ouais, bien. C'est dans quel comics qu'il euh, qu va carrément graver. Euh... Ah c'est dans celui-là. Oui, c'est dans celui-là, il me semble. Dans celui-là ou dans, dans un autre aussi qui parle de la forteresse de solitude. Mais t'as vu, mais c'est demain et ça écrit. Bon, c'est génial. Euh, voilà. Moi, bon, pour moi, c'est des aspects importants. Et tout à l'heure, tu me parlais d'arche de Noé. Mais tu ne crois pas si bien dire. dans la forteresse de solitude, il y a une arche au cas où euh, il devrait euh, embarquer ben, toutes les races animales sur une autre planète. Euh, L'arche cosmique, il a appelé ça. Et euh, il le dit, hein. ça c'est un moment où il angoissait sur la fin du monde et euh, qu'il ouais. faille quitter la Terre. Okay. Donc elle a, elle a un côté, euh, on retrouve un peu ce côté-là dans la forteresse, dans la Batcave de Tim Burton. Si on a ce côté un peu, il, il s'est peu un délire Batman, tu vois. C'est un plein délire. Voilà, donc ça aussi c'est euh, la pièce où il a son vaisseau. Euh, là, on voit Kelex, son petit robot. Euh, on voit son armure. On voit la, la bouteille de plusieurs armures d'ailleurs. On voit euh, la, la bouteille de Candor, On voit le siège qui s'est occupé de lui pendant son voyage. Il y a plein de choses. On voit Lara et Jorel. Donc tout ça, c'est euh, cette armure là, c'est une armure kryptonienne. Euh, alors. Zack Snyder ne s'est pas inspiré de cette armure, mais en tout cas il y a quelques éléments qu'on retrouve dans l'armure de, de Jaurel. Voilà. Hop. Donc là, on est dans une version beaucoup plus moderne où là, pareil, en un coup d'œil, euh, on voit cette, euh, cette forteresse. Là, on a un focus sur Kelex, comment sur il Kalex. a fonctionné. Là, c'est Henry euh, Irons, donc euh, comment il s'appelle? Notre cher, euh, notre cher style qui a fabriqué la plupart des choses qui sont dans la forteresse, c'est un mélange de technologie kryptonienne et de Henry Irons. On retrouve en bas, encore une fois, la euh, l'armure. Enfin, la oui. Voilà. Et donc, euh, on est toujours dans les éléments de base et ainsi de suite, même si la bouteille de Candor là, est très petite, mais on, 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 on retrouve ces, encore les éléments. Euh, donc voilà, là, euh, sincèrement, pour moi, la plus belle qui a été faite, effectivement, ça reste celle du Silver Age parce que vraiment, on a en détail tous les éléments de la forteresse de solitude, euh, qui sont le zoo, la, la salle des statues, euh, la salle des armes, la salle, euh, le laboratoire. On retrouvera toujours, euh, toujours les mêmes choses. Donc voilà, voilou. Alors, dans les films. Dans les films, mais voilà à quoi ressemble la statue, la, la, la forteresse euh, de solitude. Euh, bon, l'intérieur était très rudimentaire, hein. euh, à part euh, la console de cristaux. On a vu dans Superman 2 qu'il y avait des chambres de soleil rouge, des petits trucs comme ça, mais pas de bouteille de Candor, puisque finalement on a Argo City, là où vite, pardon, Supergirl qui faisait office un petit peu de ça, sans, en étant dans une autre dimension. Dans le Superman de Loïs et Clark, bref, pas de forteresse de solitude. Malheureusement. Eh euh, non, eh non. Eh non. Euh, non, il n'est pas les besognés Lois, dans la forteresse. Dans Smallville, mais euh, dans Smallville on ne change pas une équipe qui gagne, on, on reprend vraiment en substance la forteresse de Richard Donner. Là-dessus, ça n'a ça pas, pas bougé. Ah, ils ont pas pris de risque là. Non, ils ont pas pris de risque du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais bon, c'est. C'était -ce <laughs> pas l'idée là. Non. Ouais, ouais, ouais. C'était plus euh, un mélange de la forteresse de solitude de Richard Donner et de. Euh, pour moi, c'est les mêmes, puisqu'on est dans la continuité, celle de Superman Returns. Tu vois On était plus dans, dans ce délire-là. Dans, ce délire euh, dans Men of Steel, ben. Mais... Le vaisseau lui-même fait office de forteresse de solitude, et c'est peut-être, et c'est peut-être, euh, tout à l'heure, j'ai mis une baffe à Alexis de Prato, mais c'est peut-être la version la plus fidèle, même si on ne, n'a on pas cette, ce gigantisme. Mais je, juste pour vous rappeler, quand il ressuscite Clark euh, dans Zack Snyder Justice League, euh, où que Luthor travaille sur. Euh, avec le grand ordinateur, travaille sur l'élaboration de Doomsday oui. bon Batman vs Superman. On est peut-être sur la forteresse. Encore une fois, Snyder est peut-être le plus accurate sur la forteresse, même si ce n'est pas une forteresse. C'est ça qui est fou en fait. Là, on est sur un vaisseau. Mais les éléments à l'intérieur, on peut se dire que ce vaisseau dans la glace, quand Clark rentre à l'intérieur, c'est la forteresse. C'est juste que c'est un vaisseau en même temps. Ça y résolvait plusieurs problèmes en même temps. Ah, voilà, Ça voilà. Euh, Capte, tu penses que Gun Non, 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 non. J'espère pas. Je pas. non plus, non. J'espère je pas, non, 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 non. J'espère je, vraiment qu'il va développer parce que tous les, les, les vrais fans de Super. Les vrais fa... Je ne vais pas dire les vrais fans. Il n'y a pas de vrais fans et de faux fans. Il y a juste des ignorants et des teubés. Mais. Euh... <laughs> J'adore, tu, sais, je je, tu sais. Je me corrige pour en dire une pire derrière. J'adore. <laughs> J'adore. <laughs> euh, ouais, non. Euh, on est frustré. On est frustré parce que, effectivement, c'est un aspect de Superman. Tu vois, on essaie toujours de le faire passer pour le boy scout, mais le gars, c'est un génie. Le gars connaît toutes les langues de la planète. Le gars connaît toutes les médecines de la planète, il connaît tous les rapports scientifiques. Superman, c'est un super intellect aussi. Mais ça, tu vois, dans la version moderne de 86 de John Byrne, ça a commencé à disparaître. C'est pour ça que pour moi, l'essence de Superman, c'est vraiment le Silver Age, même si, comme dit, disent les jeunes, il était cheaté, il est cheaté à mort, il est cheaté. Mais ferme ta gueule. Arrête de fumer du shit. <laughs> Donc, euh, donc voilà, la version de Snyder est très stylée et donne un aspect plus réaliste. En même temps, ouais, c'est fou, hein, parce qu'on est sur un aspect alien, Captain Comics. Là, je suis d'accord avec toi. On est sur un aspect très alien et en même temps, beaucoup plus, euh, parce que les cristaux, c'est beau, mais c'est un peu new age, quoi, tu vois. C'est un peu lithothérapie, oui. quoi. C'est un peu, j'ai acheté, euh, euh, du cristal de roche et, euh, et de l'œil de ouais. Ça fait très baba cool. Après, ça fait très ordinateur quantique. C'est-à-dire que les, les ordinateurs quantiques vont être euh, les, les microprocesseurs, au lieu qu'on soit sur du silicium, ça va être du cristal. Parce qu'on peut enregistrer énormément d'informations dans les cristaux. D'ailleurs, on le voit dans Indiana Jones, là, les crânes de cristal, c'est un peu ce délire-là. Okay Mais voilà, hein, on, est, euh, on est pour moi, euh, on est sur une des versions, et surtout qu'il y, y a Kelex. Quand tu arrives à l'intérieur de la forteresse, enfin du vaisseau, oui. il y a le petit robot là, Kelex. Il est là, déjà. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Donc, ça, c'est dans euh, Superman et Super et Supergirl. Donc, on repart sur une structure en cristaux. Même si on commence à voir des petites stations ici et là, le vaisseau. Tu vois, mais c'est très lugubre. Tu as vu, les forteresses de solitude que je t'ai montrées sont très éclairées. C'est très… Tu vois, là, c'est lugubre, hein, la, la version euh, de glace. Donc, euh... <laughs> il a raison, Ismaël. On dirait que tu es dans un lustre. C'est des vieux lustres. là. Ah oui, c'est sûr. Qui est, est tombé pas... par terre. C'est hein. foutu. C'est s'est cassé dit J'espère dans le prochain Superman qu'on a une test où il y a même des animaux. Années... Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, Jonathan. C'est que moi aussi, je. je, je... Bah, disons qu'il pour ça, pour ça qu'on ait un petit peu le temps de la voir, il faut qu'elle soit développée. Ou qu'on ait plusieurs parties du film euh, qui abordent. Euh, ouais, et puis surtout si tu, traiter, plans, si tu veux donc, traiter, pas si traiter, une seule si visite de dix minutes. Si, où tu traiter si, traiter tu Braignac, vois, si tu veux traiter Bréniac, c'est pas possible. Tu veux traiter Braignac, la présence de la bouteille de Candor dans la forteresse, tu vois, ça fait stylé. Là, on est sur du Superman. Là, on est dans l'essence. D'ailleurs, je sais pas pour ceux qui lisent les comics de Superman, mais on retourne vraiment euh, en arrière, mais dans le bon sens du terme. Fini les trucs walk avec les enfants homosexuels et je ne sais pas quoi là. Euh, On repart vraiment en arrière. Tu sais, même Batman, il n'a pas un grappin. Il a toujours sa corde là, son truc où il se pend. Se... Tu vois, c'est euh... là je suis en train de finir le... le premier de Dawn of Superman. Voilà, mais je kiffe quoi. Je kiffe le fait qu'on retourne, on retourne vraiment à l'essence d'ici. Euh, j'ai lu, j'ai euh, Dawn of JSA uh, aussi. On retourne vraiment à l'essence d'ici Comics, euh, euh, du Silver Age et surtout des années 90. Tu vois Années 90, avant 2000, là, y a, on était dans une belle ère de comics aussi. Et on retourne dans ce délire-là. Parce qu'effectivement, on se rend compte que les gens qui vont lire des comics, ils sont plus servis parce qu'on on a essayé de faire plaisir aux nouvelles générations. Non, c'est aux nouvelles générations d'accepter l'héritage qu'on leur lègue avec euh, les comics. Tu vois, il n'y a personne qui va changer la façon dont on fait les mangas aujourd'hui. Donc, ça, euh, on on pas la, laisser la culture comics tranquille. Mais là, on a essayé de trop faire du comics moderne, du comics un peu dans l'air du temps. Non. non, on fait du comics. Les mangas, euh, manga, c'est un manga. Hein, c'est en noir et blanc, ça se lit de, de, de droite à gauche et tu fermes ta gueule. En fait. Tu vois, personne ne l'ouvre. Alors que les comics, on essaie toujours de... Non, laisse le, le, le comics, c'est ferme ta gueule, c'est magique, ça ne doit pas être réaliste. Au contraire, ça doit te permettre de rêver et de, de regarder vers le haut. Hein, Là-dessus, euh, on est d'accord. On est totalement d'accord. Là, alors là, on est sur une, euh, une forteresse oh, ouais, okay. pyramidale. Alors, moi, ça, moi ce plan-là, je vais le garder parce que vous verrez dans le tome 2 des Chroniques de Candor. Euh... Oups! Oh, il a, il a ah, dit ouais, quelque ouais, chose. Ouais. Dans le, dans le tome 2 des Chroniques de Candor, on aura un délire dans ce sens. Non, et eh oui, on aura un est délire ça. avec CA et Pyramide Maya. Je dis rien, on dit pas plus. On Mais dans le tome de, des Chroniques de Candor, les Pyramides Maya et compagnie, il va y avoir un plan qui ressemble à celui-là, fortement. Parce que pour moi, c'est une des plus belles cases euh, de Superman, cette, cette euh, pyramide donc dans la cordillère des Andes. Euh, non, non la forêt amazonienne euh, je vous spoil pas parce qu'il faut, faut bien suivre l'histoire mais voilà ce qu'il dit euh, je l'ai construit depuis les cristals euh, de ma vieille forteresse euh, qui a fait tout le travail euh, mes parents kryptoniens euh, les ont évidemment designés pour qu'ils s'acclimatent à n'importe quel environnement donc là ils savent qu'ils sont au Maya donc ils, construisent une, euh, ils sont au Mexique donc ils construisent une, une pyramide euh... dinguerie c'est dingue, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'idée est complètement dingue. <laughs> tout à fait, tout à fait. Donc voilà ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Là, on a les différentes forteresses dans les comics. Euh, vous avez ce parc d'attractions dont je vous parlais. Là. Il y a un escape game où tu rentres à l'intérieur, où il faut répondre à des questions sur Superman pour pouvoir en sortir. Et en bas à droite, vous avez la forteresse de solitude du New 52. Voilà, une boule avec des pics. Bon, on dirait un oursin qui qui, qui qui a mangé le sol. Mais elle était assez spéciale parce qu'au début, c'était dans le vaisseau de Breignac Après, il a, tu vois, il a ramené tout ça sur terre. Bon, New 52, moi vous le savez, je suis pas un méga fan. Ouais, très mais très tu plus sens, sens. qu'ils étaient en train de rechercher quand ils savaient pas exactement. Je, je crois qu'il y a des qui sont vraiment vraiment bons dans le New 52, euh, tout le run sur les Green Lantern et tout, Green Arrow, Flash, même le Batman tout est bien, Wonder Woman aussi, mais Superman est complètement raté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait le Rebirth. Ils ont fait la convergence et ensuite le Rebirth pour nous ramener le Superman de John Byrne, parce que là, c'était plus, plus, plus possible. Donc, euh, donc voilà. Voilà, jeunes gens. Euh, L'arc Mérège. <laughs> ah, on, oui, vous aurez une apparition déjà de Mérège dans le tome. Merej ouais, apparaît ouais, ouais, dans ouais, le tome ouais. 1. Et oui. Et je dis pas où, je dis pas comment. Bah non, non, faut pas tout, pas tout, faut pas tout, pas tout, pas tout, le tome pas et oui, et oui oui. oui. Ça de de couleur. oui. c'est c'est de d'hydrogène. C'est bon ça. Hop, oh, de hein. Buvez de l'eau l'eau les mecs mecs. Hein. Ça détoxe. Ça alimente le cerveau, tout est bien. Et ça hydrate deux fois plus, forcément, parce qu'il y a plus d'hydrogène. Donc ça hydrate. D'accord Donc voilà, bande hein. c'était. Euh... Vous mourirez moins con. Vous dormirez moins con, déjà, avant de mourir. Hein. Vous avez des belles années à vivre, j'espère. Mais voilà, voilà, hein. on y est. Hein. Superman en Afrique, il lève la tête et fait comme s'il n'avait rien vu. Oh là là, n'importe. De suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, voilà, voilou, on vous fera un large regard. Alors, tu, tu as trouvé euh, les images On peut les euh, commenter. <laughs> sinon, euh, sinon, on les commentera euh, sur le site. Hein, mais bon, on préfère cumuler de l'info plutôt que de, de gérer l'info au jour le jour. Il y a une info qui est sortie aussi euh, que j'ai partagée sur Twitter. Hop, hop. j'ai partagé sur Twitter une info qui nous vient de la maison mère de Superman Homepage. Comme quoi, on aurait une rumeur. Comme quoi, James Gunn reboot, Remore the future secret identity reveal. Donc, oui, j'ai vu ça tout à l'heure. je à le lire. Ouais, il y aurait peut-être la révélation euh, Superman. Non, c'est trop tôt. Il y a des trucs qu'il faut que, tu faut que ailles plus loin dans l'histoire. Tu ne peux pas faire que Superman va révéler son identité secrète au monde, là, tout de suite. Non, mais que ce serait même une base, en fait, de l'histoire. C'est chaud. Ce sera un point de départ, d'une certaine manière. C'est chaud. C'est assez étonnant. C'est chaud, parce que ça voudrait dire que tous les fils de pute qui se sont plaints que Zack Snyder n'a pas, euh, pas assez développé Clark Kent, on va on les revoir. Hein. Outrance, là. Ah, là, 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 ils vont avoir la quéquette à la main, frérot, là. Pas la main, ils vont la montrer à tout le monde. Ah ouais, non mais c'est, je te le dis, non mais là, pff, tu peux pas faire ça, tu peux pas, parce que en fait, Snyder. Pas confirmé, mais bon. Il n'a pas développé le Clarken du Daily Planet trop, mais on a quand même une heure et demie de film ou une heure et quart de film dans Man of Steel où on ne voit que Clark. Le mot Superman arrive très tard à la fin du film, tu vois. Donc au début, on a Clark et on a kal tu vois. Mais là, s'il ne développe pas Clark Kent, euh, ce pas bon. Même moi, je vais me plaindre. Même moi, je ne serai pas Ah content. Non, mais là, ça va peut-être être, être... Et plus, que... plus que développé. Le... C'est le parti pris avec Loïs. Je ne sais pas comment il va équilibrer le tout. Oui Superman en Afrique, ça s'appelle Paix sur la Terre, bande Eh voilà Bref, bonne nuit, les gars. <laughs> ça, c'est mon gars, ça. Ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, je l'ai... Je, je il est là, <laughs> magnifique Ah qui nous montre ça là Oups. Magnifique, regardez-moi ça. Bon c'est pas une CK qui me contredira, mais Alex ah, Ross. Il est beau. Alex Ross. La c'est Alex Ross. Tôt, 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 à comics on a Abdel Ross, mais euh, qui, est, qui, est, qui est meilleur qu'Alex Ross Regardez ça, c'est de toute beauté. Hop, on le voit là. Euh, tac tac tac. Oh, c'est beau. Attendez, je vais me mettre en grand parce que là, ça n'a aucun sens ce que je fais. Oui, oui, montre-le. Je n'ai pas besoin de visiblement, voilà. Voilà, voilà. 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 Mon cher Nsiquet. Ah, quand... Moi, je ferai une série sur Clark Kent. Auto complète. Je prendrai Corinne Sweat, là, six épisodes. On le voit en Superman que dans le dernier. Oh, c'est beau. Vous n'êtes pas frais dans le guignard, comme il dit. C'est magnifique. Avec le sapin de Noël. Oh. Qu'est-ce que c'est beau C'est beau, hein. Pinez, c'est beau. Voilà ce que dont parlait Nsiquet. C'est magnifique ou pas ça là, ça devrait faire un tableau qu'on les gens mettent chez eux. C'est magnifique. Oh, avec les lions royal cette image. Ça sert à rien de faire une BD, hein. tu fais un truc d'illustration comme ça En tout cas, ouais, je serais hyper déçu qu'on ne développe pas Clarkette. Moi-même, euh, je, le, je... Le, je ferai le gna gna. Développe... Non, là, je veux le voir. Tu sais interagir avec Loïs. Qu'elle joue. Tu sais que tu sais, elle soit sur elle et puis elle joue avec ses lunettes comme ça. Puis après, elle met la main dans le palzard. Bon. <laughs> on voit ça, frérot. Là, on a vu. Bon, on a commencé à voir ça pendant qu'elle était dans son bain, qu'il est rentré dans son bain habillé, tu vois. Ouais, c'était délicat malgré tout. Il pas. Je crois que James Gunn souhaite plus développer plus la double identité dans son DCU. Tu te, je sais pas, je sais pas sur... je sur pas. quel sur quel euh, élément peut se fonder pour pour avoir ce, cette cette cette, euh, cette attitude, là, mais... non mais pff, ça pour moi c'est un aspect qui doit être développé parce que le pourquoi du comment il révèle son identité il y a quand même un cheminement. Par contre, là, l'article du Superman homepage, je laisserai penser que c'est un point de départ. Ça me paraît justement... Après, après plus... ouais... Juste ce que tu viens donc... de dire et ça me paraîtrait assez logique. Ah, de toute façon, j'en saurai plus jeudi prochain. Jeudi, j'en serai plus. Parce que j'ai la réunion euh, mensuelle euh, du mois d'avril avec eux. Donc, euh, jeudi, je vous en dirai plus sur, sur ça. Mais là, pour l'instant, j'ai n'ai pas assez d'infos. Et l'article ne dit pas grand-chose non plus. Ça reste une grosse rumeur. Ah, ouais, bon, mais voilà, quand même qu'il l'ait publié. Eh oui, vous avez eu votre petit cours, euh, petit cours de forteresse de Solitude. Voilà, maintenant vous pourrez dire je ne sais pas. Vous pourrez plus dire, vous pourrez plus dire je ne sais pas. Le Capitaine a dit c'est vu avec Captain. Vous oubliez jamais. Quand c'est vu avec le Capitaine c'est euh, là-dessus. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Euh, N'oubliez pas de vous rendre sur le site planetsuperman.fr. Pour ceux qui veulent nous voir, on sera donc samedi et dimanche à Montpellier pour, euh, pour la convention du TGS. Euh, Ou, ça y est. On va, on va à partir de samedi, enfin à partir de vendredi, vous allez pouvoir précommander le comics. Hop, CTOR édition. Sur le site Hop. de CTOR édition. J'ai partagé l'écran. Partager, CTOR édition Evolution Group. Voilà. Vous arrivez, hop, vous pouvez déjà. Bon, quand vous arrivez, vous arrivez à l'accueil, normalement. Hein. Vous voyez, avec euh, les nouveaux visuels, la nouvelle cover, Geekology Comics. Donc voilà. Il suffit juste d'aller pré-vente. Vous avez les deux versions hein, dans la boutique, il me semble. Euh, voilà. Pour l'instant, à... je n'ai mis que la version. Que la version papier. Mais il, y a, il y a la version digitale aussi. Il y aura la version digitale aussi à vendre. Voilà. Planète Superman. Notre site internet, le seul site de Superman en France. Wally <laughs> Wallou. Hein, on y est. Pour toute l'actualité, pour tout le reste, n'hésitez hein, pas. La partie magazine, la partie comics et Wally Wallou. N'hésitez hein, pas. Ça le fait. Le conseil comics du soir. Mais pour pouvoir approfondir tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous confie le omnibus. Euh, le omnibus Silver Age. Voilà. Bon, après, c'est un omnibus, hein. c'est 90 balles, 90 balles. Mais si vous voulez avoir une belle collection du Silver Age, tout est là-dedans. D'ailleurs, il y, 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 y en a tellement. Mais avoir le premier, c'est déjà bien. Voilà, 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 voilà. Donc euh, non, c'est important qu'il développe Clark Moi, je serais. Euh, c'est bien le format série semble mieux en ce sens. Ouais, 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 ouais. Faire une série sur Clark, juste une série, toute une série. Ouais, L'idée voit... de la série, c'est super intéressant. tu as le temps de faire les choses. Oui, puis tu le vois en Superman que dans le, les dernières minutes du dernier épisode, tu vois. Mais avant ça, tu le vois en Clark, tu le vois au Kansas, tu le vois. En train de faire une enquête, euh, tu vois un délire, quoi, tu vois Ce serait sympa. Voilà, voilà, jeunes gens, allez, merci à tous d'avoir participé à ce Legacy Show. On se retrouve, donc, soit au TGS ou soit après le TGS. Cette semaine, on a été beaucoup occupés parce qu'on a beaucoup travaillé sur le comics. On a beaucoup travaillé, ça y est, on a commencé la mise en page. On a commencé le, le InDesign qu'on va envoyer à l'impression. Donc, déjà, euh, toute la partie de Ismaël est colorée et bulée. Bravo. La partie de Maxime est en cours de coloration. Elle est déjà bulée. Et la partie de Nasser est en cours de conception. Il y a des planches absolument incroyables qui sont en train de sortir. Oh, oui. <laughs> oh, C'est juste incroyable. Euh... Il y a des dingueries quand même. Ouais, euh, Ismaël nous a sorti une couverture incroyable. On a une couverture à la Alex Ross. Il voilà. faut, faut le dire. Même on, a, non, on, a une ouvert... on a une couverture à la Ismaël. Oh, J'ai envie de dire. Mais alors pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle cover, la nouvelle cover, je vais vous la, je vais vous la, la, la montrer, mais là c'est allé très très loin, c'est allé très très loin. Alors est-ce que je l'ai là Ouais. Hop. hop hop hop. Moi je vous dis quand tu vas aller sur les étagères des comic bookstores et que tu vas voir ça, ça pique. Je vous le dis, ça pique. Ouais. Ah ouais. Ça le fait, hein. Ah ouais. Ah, ouais 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 ouais. ah ouais, 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 ouais. ouais, 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 Moi, je dis... Moi, je dis, on a encore passé un cap, dit le cap. On a encore passé un cap. Voilà, les Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve pour une émission soit actu, soit débat sur les, actu, les dernières actus du film, euh, ou sur une émission comme ce soir où je vous apprends des aspects de Superman. Encore une fois, ce soir c'était la forteresse, la dernière fois c'était le costume, avant c'était le symbole. Hein. Je pense que vous commencez à être pas mal sur la culture Superman, les gens. Hein. Et pour les amoureux des animaux, on fera une soirée super pète. Non, je rigole. <laughs> ou pour les enfants, ça peut être cool, hein, avec mes enfants, ils connaissent tout par cœur. Ils connaissent mieux que moi. D'ailleurs, moi, j'ai je... hein. un comics où qui explique tout hein, avec Streaky, avec euh, euh, tous les animaux en fait. Mais mes gamins ne connaissent donc euh, donc voilà. En tout cas, bonne soirée à tous. Passez une bonne soirée. On se retrouve euh, BOTGS en vrai pour ceux qui veulent nous voir ou manger une targnole dans la gueule. Vous venez stand 199 hein, euh, à Montpellier. On sera content de vous voir. Hein avec plaisir. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, bye bye. Bonne soirée à tous, ciao, à bientôt. Générique de fin. Tous les espoirs et les rêves de Krypton vivent désormais en toi. Je suis très fier de toi, fiston. On savait que tu changerais le monde. Ton cœur a été mis à l'épreuve, Kalel. Mais ils te rejoindront dans le soleil, Kal. Le choix de révéler fièrement ou non qui tu es devant l'espèce humaine. Tu les aideras à accomplir des miracles.